La petite fourche au Manitoba s'inscrit dans le cadre d'un projet fédéral de parc national urbain lancé en 2021. C'est ici, au parc Pointe-Douglas, que le projet devrait prendre son envol. Le nouveau parc urbain réjouit plusieurs partenaires et organisations communautaires telles que Save the Seine, qui y voient un remède à cette partie de la ville qui a le plus souffert du développement urbain. It's going to do so much in terms of the same mandate that we have in terms of ecological restoration, protection of the environment, access to the environment for people and education. Selon l'architecte urbain Jean Trottier, ce parc permettra la protection et la conservation de la faune et la flore et un meilleur accès à la nature. Toutefois, c'est un projet de longue haleine et plusieurs étapes sont encore à franchir, notamment l'approbation du site par Parc Canada. Mon souhait, ce serait que d'ici un an, on choisisse le site et la direction générale et qu'on ait déjà des morceaux en place l'année prochaine. Ça va prendre plusieurs années avant que l'ensemble du projet se réalise. Pour l'instant, le choix porte sur le secteur de Pointe-Douglas, mais cet endroit présente quelques enjeux tels que le sans-abrisme. Aussi, plusieurs riverains possèdent des terres dans les environs. Les partenaires au projet sont confiants que les consultations se poursuivront dans l'harmonie. It's of course a part of a great broader question and a more complex one than just creating a park. We unfortunately have a great deal of population in this area who are suffering from homelessness. And that needs to be looked at and addressed. Malgré que ce soit un projet ambitieux, les parties sont unanimes sur sa contribution à l'œuvre de la réconciliation. Il devrait être financé en grande partie par Parc Canada. Ici, Jemima Kalemba, Radio-Canada, Winnipeg.